Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. C'est l'heure du courrier. J'ai reçu 4-5 enveloppes pour vous. Des belles choses, si ma mémoire est bonne. Des trucs magnifiques. Restez là. Parce qu'il y a du lourd, normalement, si ma mémoire est bonne, dans ces enveloppes. Voilà. Une chose, par contre, qui est sûre, je vous promets, c'est comme ça. Ça arrive. Une vidéo sans Raven. Eh ouais, pas de Ravens. Pas de Raven, si mes souvenirs sont bons, dans ces enveloppes qui sont là. Donc on va attaquer tout de suite et j'ai hâte de vous montrer les dernières acquisitions, les dernières choses qui viennent d'arriver. J'ai hâte de les avoir enfin en main. Sur ce, on arrête de discuter, on est parti, on va pousser un petit peu tout ça et puis on va ouvrir ça directement. On y va, let's go. La première, elle est là. On va essayer de trouver un endroit tchouk pour l'ouvrir facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Hop là. Toujours très bien protégé. Hop. Allez, c'est parti. Mettre ça là à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que vous êtes comme moi, vous avez reconnu le carton. Très drôle, j'avoue. Hop. Qu'est-ce que j'ai reçu de beau à vous montrer? Ah oui. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça énorme. Hop là, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est tout petit. C'est tout petit, c'est tout petit. Ah, j'arrive pas à la prendre. Voilà, regardez. Une mini carte. Une toute petite mini carte. Une Legacy. Voilà. J'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça génial. Une Gardner, hein, voilà, pour pas changer. Pour la collection, évidemment. Mais voilà, c'est trop petit. C'est tout mignon. Hop. Donc on commence, voilà, avec ceci. Voilà, quand je vous dis c'est tout petit, hein, vous voyez la taille, on est bien présent, tout petit, tout petit, tout petit. On va la mettre là. Allez, zou. Toc. Allez, enveloppe suivante, il y en a une épaisse, on va commencer par celle-là. On va continuer par celle-là. Qu'est-ce qu'on a reçu? Alors, ouh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ah oui. Oui, il y a un homme que je n'avais. Ah, j'avais pas encore réussi à avoir beaucoup de cartes de cette personne. Et en l'occurrence, surtout, pas vous en avoir montré énormément. Donc on va pouvoir changer ça tout de suite. Alors. Et puis elles sont toutes emballées, c'est super. Josh Allen pour les Jags, numéro 41. La classique. Voilà, pour agrandir, pour démarrer et agrandir entre guillemets la collection sur Josh Allen. Hop. Josh Allen de nouveau. Numéroté. 156 sur 249. Alors la première c'était une select. Là on a quoi? Une XR Football. Allez tiens. On va habiller derrière. Hop. Tourner dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, une Josh Allen. Oui, bon, d'accord, c'est un peu sa vidéo. Je vais pas vous le cacher. C'est un petit peu sa vidéo, mais pas que. Donc voilà, mais j'avais absolument envie de cartes de ce joueur que j'aime beaucoup et je n'arrivais pas à en avoir. Donc voilà, chose qui est en train de se faire et je le fais avec vous et avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'on a? Une Legacy Rookie 2019, numéroté, on va peut-être pas très bien le voir, il est là, juste là, 45 sur 199. Hop. Tiens, voilà, changer de côté.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh, c'est étonnant! Une Josh Allen! Ouais, mais pas l'orange cette fois-ci, la jaune, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, numéroté ici aussi, 50 sur 165. Ah, j'ai dit que je voulais faire une petite collection. Il fait partie de mes 11-12 joueurs préférés, donc voilà. Il fallait bien que, il fallait bien qu'il arrive dans le lot un petit peu en présentation. Et on a... Oh, encore une fois, Josh Allen. Ouais, je sais. Bon, d'accord. J'arrête avec cette blague. Donc, Josh Allen, hein, des Jaguars. Toujours. C'est laquelle, celle-là? Une parallèle. 55 sur 200. C'est la quoi? C'est la Astral, ouais. C'est la Astral. Juste ici. D'où les petites étoiles derrière. Ça brille de mille feux. On va la mettre là, devant, comme ça. Toc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, oula, elles sont toutes super emballées. Je pense que vous avez déjà vu quelques petites... Oula, bah disons, là, pour être protégé, c'est protégé. Je ne peux pas dire le contraire. Et allez, puisqu'elles sont arrivées toutes les deux en même temps, de nouveau Josh Allen, cette fois-ci sur du Prestige 2009 en rookie, et sur de l'Absolute, ça c'est les cartes de base, c'est les classiques. Oui, j'aime vraiment, je l'aime vraiment ce jeune. Donc, hop, on va mettre ça là. Ensuite, remarque, ce qui est bien, c'est comme ça, ça vous permet de découvrir... les cartes de base sur différents types de cartes, mais sur le même joueur. Comme ça, au moins, la présentation est faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre celle-là, là. Hop, juste derrière. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, voilà. Celle-ci, c'est la carte de base. Donc voilà, non numérotée. La classique chez Legacy pour un petit trio fort sympathique. Toc. Ensuite, de nouveau Josh Allen, mais cette fois-ci sur les cartes Luminance 2019, non numérotées, c'est la carte de base. Voilà. Une Leaf. Josh Allen, encore et toujours. La carte de base. Et la petite dernière. Après, je vous promets, il n'y a plus de Josh Allen. Logiquement. La petite dernière... Oh, c'est quoi ça? Oh, alors là, par contre, a... je pense qu'il y a... il va falloir que... Là, il y a erreur sur la demeure. Là, il y a une petite erreur. J'avais dit Pat Ravens, mais alors, normalement, celle-ci, n'aurait pas dû être là. Très honnêtement. Une Lamar Jackson. En plus. Super. Bah écoutez, numéroté. Juste là. 107 sur 299. C'est du quoi? Legacy 2020. Alors ça, c'est la surprise. Là, franchement, je ne... va falloir que je vois ça... Je vois ça de plus près, parce que, très honnêtement, cette carte ne devrait pas vous être présentée tout de suite maintenant. Donc voilà. Une Lamar Jackson. Tenez, tiens, on va la mettre là, juste en plein milieu. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste trois enveloppes. Allez, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a reçu encore de beau? Ah, on ne savait pas. Donc là, ça ne savait vraiment pas. Voilà. Cette fois-ci, on est bien. Alors. Oh. Alors ça, voilà, je vous le montre tout de suite.
C'est certainement une des plus belles de ma collection sur ce joueur, je pense. Qui arrive là devant vous. C'est Gardner. C'est une Select Football 2019. Elle est numérotée ici, 51 sur 99. On va retirer ça. Le petit plastique là, pas besoin. Et celle-là. Waouh, 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 waouh. Celle-là, elle est somptueuse. Celle-là, elle est juste magnifique. Une signée, morceau de maillot. Une signée de plus pour Gardner. Je suis waouh, aux anges. Là, voilà. Je pense que celle-ci, ouais, c'est magique. C'est assez magique. Superbe. Superbe, superbe. J'avais dit qu'il y aurait de belles cartes aujourd'hui. Avec ça, je ne vous mens pas. Avec celle-ci, c'est sûr et certain. On continue. Allez, waouh. Là, j'en perds mes mots. L'effet est réussi. Elle est très, 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 très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça aussi. Ah oui, alors celle-là aussi, allez. Celle-là aussi, elle va être très jolie. Une Gardner. Ah oui, vous le savez. C'est une Gold Standard 2020. Vous savez, Gardner, vous le savez maintenant. Ce joueur, pour moi, un petit chouchou. Et cette carte-là, elle va être très, très belle aussi. Waouh, waouh. Ouf, ça. Ça, c'est de la classe. J'adore. White Gold. Ouh. 4 sur 199. Morceau de maillot. Oui, je dis oui. Elle est superbe. Elle est superbe. J'adore. Aïe, 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 aïe. Allez, on va avancer un peu celle-ci. Tac. Là, juste au-dessus. Cette collection de Gardner est en train de monter. Superbe. Superbe, superbe. Du coup, on va mettre Mini Gardner là. Juste à côté. Mini Gardner. J'adore. Et puis ben, on va ouvrir, comme ça on a une petite place pour ce qui arrive, la dernière qui arrive. La dernière enveloppe, c'est parti. Du carton. Et encore du carton. Alors, on va essayer de faire très attention. En voilà un. En voilà deux, ce qui devrait largement suffire pour... Hop là, sortir une dernière carte. Une carte magnifique. On va retirer le scotch avant de vous la montrer. Une carte, ouais, superbe, je pense. Vu la qualité de la Gardner qu'on a là. Hop. Voilà. Une Select 2019, donc la même année que la Gardner que vous avez vue. Devin White, oui, pour agrandir la collection de ce joueur, puisque je commence maintenant, vous les avez vus, et voilà, je commence à en avoir beaucoup aussi. Une Select, donc dans la logique des choses, on est dans le même esprit que celle qui est là, et c'est... Waouh ! Le morceau de maillot avec trois couleurs ! Ouh ! Signé, morceau de maillot. 1, 2, et le petit bout de noir là, juste ici. Devin White. Magnifique. Superbe carte. Superbe carte. Oh, j'adore. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Ouh. Eh bien, écoutez, voilà. Plus d'enveloppe. 5 enveloppes de fête.
Mais des belles choses, des choses magnifiques, et puis une petite surprise là, inattendue, du Gardner, du Devin. Écoutez, j'espère que... Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu la belle chance, on va dire, de découvrir toutes ces cartes, ces nouvelles cartes. C'est magique. C'est très, très beau. Et je suis ravi d'avoir ouvert et d'avoir découvert ça avec vous aujourd'hui. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. À très très vite pour de nouvelles vidéos, en espérant qu'elles continuent à vous plaire de plus en plus. Allez, salut salut !